Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, on reçoit une personne qui a vécu une vie remplie d'impressions. Pourquoi j'utilise cette expression, ce mot? Bien, j'ai le plaisir de vous présenter M. Rénal Dumont qui a passé toute sa vie dans une imprimerie en tant qu'un ancien imprimeur, n'est-ce pas? Rénal, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Jean, ça va bien? Oui, alors tu en as imprimé des livres. Oui, beaucoup. Ça a coulé beaucoup d'encre. Oui, c'est le cas de le dire. Rénal, présente-nous un peu ta vie, du moins ton enfance. Où est-ce que ça s'est passé? Je vais débuter tout d'abord parce que je suis né à David-Louisville, dans une petite paroisse dans la région des Bois-Francs. Je suis le deuxième d'une famille de trois jeunes. Une fille avant moi, une après moi. Alors, on était d'une famille catholique chez nous. On suivait beaucoup les choses à l'église, comme c'est ça. On demeurait sur une ferme. Mon père était cultivateur, mais il y avait aussi un deuxième travail en ville pour aider un peu les conditions de... La ferme n'était pas assez rentable pour qu'elle puisse avoir assez d'argent pour pouvoir avoir simplement la ferme. J'ai vécu dans une famille, on était heureux. Surtout qu'en campagne, on pouvait faire un peu qu'est-ce qu'on voulait. On avait de l'espace en masse. Il y avait les animaux de la ferme, tout ça. C'est là que j'ai appris la chasse, la pêche, tout ça. Mon père, vu qu'il travaillait en ville, comme ça, moi et mes sœurs, on s'occupait de la ferme chez nous, avec ma mère, tout ça. Alors, dans la semaine, quand il était parti. Le soir, à tous les soirs, quand mon père était là dans la semaine, tous les soirs, on récitait le chapelet avec le cardinal Léger. On se mettait à genoux, autour de la table, puis à côté de nos chaises. Et puis ça, c'était tous les soirs de 7h à 7h15. Donc, je peux vous dire comment est-ce que c'était un peu. Ma mère était des dames de Saint-Paul, toutes ces choses-là qui font les catholiques. Mon père chantait dans une chorale, dans une église. Il était marguillé, puis tout ça, conseiller, tout cas. La religion était bien présente chez vous, dans votre famille. La religion était très bien, très, très, très présente. Quand j'ai eu l'âge de 17 ans, il est arrivé un grand malheur. Chez nous, ma mère est décédée. J'avais 17 ans. J'ai mal pris ça un peu. Mais je trouvais Dieu injuste. Quoi qu'on était religieusement éduqués, qu'on savait qu'on avait une certaine crainte de Dieu, mais j'en voulais un peu à Dieu de nous avoir enlevé cette femme qui était pour nous très importante parce qu'elle était toujours là, à la maison. Puis je trouvais qu'elle ne méritait pas ça. Elle ne méritait pas de mourir, puis elle ne méritait pas. Donc, un peu ma rébellion a un petit peu commencé à cause de ça. Je trouvais que Dieu était injuste de nous avoir enlevé la personne qu'on avait le plus besoin au monde. Là, ma rébellion a commencé. On a dit, c'est comme ça que Dieu, tu traites les personnes. Autrement dit, que c'est des bonnes personnes. Alors, comme l'adage qui dit « mangeons et buvons car demain nous aurons », c'est un peu ça. Ma vie a commencé. Je suis mis à sortir, à boire, là, comme on dit, à sortir, à me battre, et, toutes sortes de choses qui se passaient, vu que je me tenais beaucoup dans les salles de danse. Alors, c'est une chose qui est arrivée dans ma vie. C'est un décrochage. Ce n'est plus ni moins qu'un décrocheur. Une rébellion, mais d'un côté, en voulant profiter de la vie, pensant qu'elle était assez courte. Ma mère, elle avait 51 ans. Alors, j'ai dit, c'était ça. Là, je me suis mis j'ai dit, vu que j'avais laissé l'école pour aller travailler, à un moment donné, au bout de deux, trois ans, j'ai dit, il va falloir que je fasse ma rééducation parce que je pensais qu'il me manquait quelque chose encore. Il n'y avait pas assez d'études, comme ça, une septième année, dans ce temps-là.
Fait que j'ai continué à aller aux études, mais je me suis engagé à aller à une école de métiers où j'ai appris beaucoup de métiers, surtout l'ajusteur mécanique, dans lequel j'ai travaillé un peu. À l'âge de... En 1967, avant ça, j'étais quand je me tenais dans les salles de danse et je chantais aussi avec les orchestres. C'est là que j'ai rencontré ma femme la première fois. Elle était très jeune dans ce temps-là. On est sortis ensemble et on s'est mariés. On a eu trois belles filles qui nous font honneur aujourd'hui. Alors, j'ai continué à travailler. À un moment donné, j'ai décidé d'aller travailler sur un coup de téléphone de mon demi-frère, qui est à Drummondville, qui m'a téléphoné. Il m'a fait de travailler dans une imprimerie. Donc, j'avais travaillé 5 ans avant ça dans la vitre puis le miroir, les miroirs qui vont sur les meubles. Après ça, je suis allé travailler là-dedans. J'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs... C'est là que j'ai commencé dans l'imprimerie, à Drummond Business Farm. Et puis, j'ai continué... Mon métier m'a amené à Grimby, à Montréal. Puis j'ai terminé ma chose à Québec, ici. Mais mon cher Rénal, là, nous, on va prendre une courte pause. Oui. Hein? Alors, donc, en résumé, que Dieu est présent. Du moins, il y a beaucoup de pratiques religieuses. Mais il y a un décrochage suite au décès de ta maman, de ta mère. Et puis là, la vie tourbillonne, les activités. Mais à travers ça, quand même, il y a certaines valeurs, le mariage, la famille. Après la pause, on revient avec la suite de ton témoignage, Rénal. Très bien. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croistu.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Rénal, juste avant la courte pause, tu nous as dit que tu avais trouvé un emploi, alors en tant qu'imprimeur, puis ça t'emmène à vivre à Québec. Oui, c'est exactement ça. Je suis arrivé ici en 1974 et je sais maintenant que Dieu fait toutes les choses. Sur un simple coup de téléphone, je suis venu voir ici, j'ai été engagé, j'ai travaillé dans l'imprimerie le restant de ma vie. On s'est venu ici à Québec, travaillant dans l'imprimerie. À un moment donné, je suis devenu contremaître à l'imprimerie. Les personnes me suis pris un loyer pour avant d'acheter une maison. Je me suis pris un loyer, puis en attendant que les choses se placent, marchent. Et les personnes qui restaient en face de chez nous, c'était vide au commencement. Ils sont arrivés, quand eux autres sont arrivés, c'était des chrétiens. Et on a passé quelques temps. Je voyais la madame souvent, elle chantait, mais pas des chants que moi je connaissais. C'était pas tout à fait les mêmes choses. Ça avait une très belle voix, tout se passe. Et puis, on ne savait pas si c'était des chrétiens, mais on a fini par le savoir. Ma femme a parlé quelques fois avec elle. Alors, à un moment donné, ces personnes-là, quand sont arrivées, ils ont commencé à nous témoigner. À un moment donné, on faisait chacun nos affaires. Dans cet été-là, il y a eu une grève à l'imprimerie, dans l'imprimerie où je travaillais, et 4 mois et demi. Dans ce temps-là, c'était un rock'n'roll un peu, disons que je n'étais pas sauvé encore, ça sortait un peu, puis j'étais un petit peu parti d'un bord et de l'autre, d'être en contremaître avec les patrons, tout ça. J'étais pas mal parti souvent, donc c'était pas un bon temps pour nous autres. La madame, les personnes qui restaient en face, qui appartenait au Seigneur, comme la raison. Il y avait un petit garçon de 5 ans. Ce petit garçon de 5 ans-là, et à un moment donné, j'étais en train de travailler après ma voiture. Puis il y avait le piton de lumière en arrière,
On donnait dans ce temps-là une Ford Mustang 107, mais on avait un piton de lumière au plancher. Il était resté jamais, il était toujours sur les hauts. Donc, je suis allé pour dérouiller ça, puis que ça s'enlève. Et puis, le petit, là, je suis ouvert un doigt. En me relevant, mais j'ai cogné la tête sur le volet. Puis là, ce que j'ai attrapé, c'est sortir, puis c'est sacré. Puis le petit gars, il m'a touché à la jambe, puis il me dit, à 5 ans, il me dit, « Monsieur Dumont, c'est quoi? » Il dit, « Pourquoi vous blasphémez après mon sauveur et votre créateur? » Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Je ne savais pas quoi répondre. Mais de toute façon, je suis retourné travailler le soir. Je travaillais le soir dans ce temps-là. Et ça m'est resté dans ma tête. Ça tournait dans ma tête, je comprends, en quasiment à boucle. Ben voyons donc, je tentais de travailler, puis je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais à la longue, je suis aperçu, j'ai dit, mon créateur, mon sauveur, puis votre créateur. C'était pas la même chose, tout à fait, comme ça, il dit. Donc, c'est parents qui ont dit ça. Allez, je continue là-dessus. Alors, après tout, je me disais, c'est un enfant. Peut-être qu'il ne sait même pas ce qu'il dit. Je ne comprenais pas la portée de tout ça. À un moment donné, j'étais à l'imprimerie, on était à, pas à l'imprimerie, c'est-à-dire que quand que ce petit gars-là, il m'avait parlé, on a commencé à faire des joints avec cette famille-là qui était en face de chez nous. Ma femme, elle entendait parler de la parole de Dieu, de la madame, de temps en temps, un peu. Elle disait, tu vas rendre service, toutes sortes de choses comme ça. Les enfants étaient corrects. Les enfants, par exemple, ils étaient dehors. Puis quand ils chicanaient avec les autres, elle disait, fais pas de mal aux autres, on ne doit pas rendre le mal pour le bien. Puis des choses comme ça. Le mal pour le mal, puis ainsi de suite. Oui, c'est ça. On continue à faire du bien. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait qu'à un moment donné, ces personnes-là, ils ont décidé de déménager à Kamouraska. Saint-Alexandre de Kamouraska. Ils m'ont demandé pour aller les aider à déménager. Je n'ai pas trop bien avec ça. Je vais y aller. Je suis allé avec eux autres. Son mari, à elle, il faut dire une chose, il était presque aveugle. 10 % un œil, c'est tout. Fait que donc, il avait besoin d'autres personnes pour l'aider. On s'est en allé avec le camionneur là-bas. Quand on a fini de déménager, elle dit, René, comment je te dois? Je dis, ben, tu ne dois absolument rien. Ça me fait plaisir. Il n'y a rien là. Comment on ne se rendra pas service entre nous autres, par rapport à ça. Ben, elle dit, ben, je te remercie beaucoup. Elle dit, je vais prier pour toi. Puis elle dit, pour que le Seigneur te sauve. Ah, ben, il dit, c'est bien correct, ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, par exemple. Oui, ce n'est pas des phrases qu'on entend souvent, régulièrement. Oui, exactement. Mais c'est ça que nous autres, maintenant, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce couple-là, on était un an sans... On en entend parler beaucoup. Puis quand elle a dit, le monsieur qui venait prendre son courrier, parce qu'il avait oublié il n'avait pas oublié, mais il n'avait pas eu le temps de faire le changement d'adresse, si on veut, là-bas. C'est ces personnes-là. Cette personne-là qui venait était aussi un chrétien. Alors, de temps en temps, il venait nous parler. Puis quand il nous parlait, on savait que, oui. Juste après la pause, on va entendre la suite, mon cher. Oui. Le soleil est en train de t'aveugler, là, mon. Okay. Donc, pas de problème. Après la pause, on va revenir avec la suite de ton histoire. Rénal, juste avant la pause, tu nous disais que, bon, tu trouves un emploi en tant qu'imprimeur, ça t'amène dans la ville de Québec, des voisins s'installent en face de chez vous, famille chrétienne que tu nous précises, un petit garçon de 5 ans qui t'entend blasphémer, qui va vers toi, qui te touche la jambe et puis qui te dit « Pourquoi tu blasphèmes le nom de mon sauveur, de ton créateur? » Ensuite, bien, la famille fait de plus amples connaissances. Et là, la dame, la maman de ce petit garçon, a dit, « Rénal, je vais prier pour que tu sois sauvé. » Mais des langages comme ça qu'on n'entend pas régulièrement et qu'on essaie de saisir, de comprendre. Alors, qu'arrive-t-il par la suite, Rénal? Par la suite, c'est... j'essaie d'oublier ça jusqu'au jour où j'ai entendu l'émission
avec Rex Humbard un dimanche matin. Je voyais que ce n'était pas comme la messe ou ces choses-là. La personne qui disait, faisait une prédication, puis il y avait un livre dans les mains qui s'appelle la Bible, comme de raison, et qui disait la parole de Dieu. Puis sa fille, elle chantait aussi. Je trouvais qu'elle avait, elle chantait très, très, très bien. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Puis je trouvais que c'était très beau. Fait que je portais plus attention. Mais ce qui m'a porté plus attention, c'est qu'après qu'il est fini, il s'est mis les genoux à terre, puis il s'est mis à prier. Il priait longtemps. C'était comme une conversation avec Dieu. C'est la différence avec les paroles qu'on apprend par cœur, comme exemple, « Je vous salue Marie » dans notre autre religion, tout ça. Donc, je trouvais ça que c'était plus sincère. C'était comme une conversation avec Dieu. Je trouvais ça, ça me rejoignait beaucoup. Ça m'avait beaucoup touché. Ça venait me chercher. Mais dans ce temps-là, je me suis rappelé, j'ai dit à ma femme, le monsieur, là, faisait un an de ça. Il dit, le monsieur qui venait nous chercher là, avec la Bible, puis qui venait chercher le courrier, là, c'est quoi son nom? Elle dit, elle nous donne son nom et son numéro de téléphone. Si on va l'appeler, on va y aller. Ça a pris trois dimanches avant qu'on aille. Mais c'est décidé au troisième dimanche. Elle dit, qu'est-ce que c'est, quoi, il va pas? Elle dit, on va y aller. OK, on va y aller. Fait que je l'appelle. Fait qu'il reste surpris de ça. Il dit, oui, je me rappelle en face de la famille, oui. Il dit, je vais aller vous chercher. Il dit, non, laissez faire. J'ai deux voitures à la maison, pas de problème avec ça, je vais y aller. Donnez-moi simplement l'adresse. Fait qu'on se rend là, on arrive à l'église, il nous attendait, il nous a présenté, il y a une madame qui arrivait en dernier, lui aussi, on a juste pour l'heure. J'ai dit à ma femme, on va laisser les enfants à la maison, parce qu'à des moments donnés, ma plus vieille, elle avait 10 ans, on va laisser, elle était capable de garder. Parce que des fois, les enfants, ça court partout. Si j'aime pas ça, il dit, je te le dis, je te laisse là. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'en arrivant, elle nous présente cette madame-là. Elle dit, oui, elle dit, j'ai dit, moi, qui est resté en face des bon, en tout cas. Elle dit, oui, ah, c'est vous autres, le petit couple. Ça fait un an qu'on prie pour vous autres. Franchement, là, je m'achappe en dedans pas mal. Mais je me suis dit, moi, je ne peux pas pour personne. Elle m'a jamais vu, elle ne me connaît pas, elle prie pour moi. Et j'ai failli revenir de bord. Mais les choses, Dieu, il connaît les choses quand même d'avance. J'ai décidé de dire, connaissez-vous beaucoup de monde qui prie pour vous autres, puis qui ne vous connaissent pas, puis qui connaissent simplement votre nom, tout simplement. Fait que, j'avais comme disait le capitaine Bonhomme, les sceptiques étaient confondus, comme on dit. J'entre quand même dans l'église, la personne qui parlait en avant, pas de collier, de coller à Romain. Ce collier viral à l'envers, si on veut. Là. Oh, oui. Et puis, parlait à père de famille, tout ça, comme ça, parlait de la parole de Dieu. Puis, le monsieur qui était assis avec nous autres, nous avait donné une Bible qu'on puisse suivre qu'est-ce qu'il disait en avant. Ça, je trouvais ça correct. Dis, au moins, moi, comme imprimeur, je peux quand même vérifier qu'est-ce qu'il dit est vrai, parce que j'étais sceptique un peu. Donc, on rencontre après le monsieur, après que c'était fait, le pasteur. Il me dit, comment ça a aimé ça? Bon, il dit, j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé que ce que vous disiez, c'était exactement comme c'est marqué dans ce livre-là. Mais il dit, écoutez, là, je suis disponible, vous avez des questions à poser, il dit, n'importe quel temps. J'en aurais beaucoup. Mais il dit, on peut prendre rendez-vous. J'ai dit, OK, mercredi, je prends un rendez-vous avec lui. Il s'en vient à 1h d'après-midi. Il arrive exactement à 1h, c'est ça. Il rentre, on parle de toutes sortes de choses, son arrière-plan, tout ça. Il me dit, vous avez des questions? J'ai dit, oui. J'en ai deux paires. Ah, bien, ça va bien fait. On va répondre à vos questions par rapport à ça. Mais il y a une chose qui m'a touché, par exemple, il dit, en devant la parole de Dieu, prenant mes questions, et je commence à poser des questions, il dit, ça ne vous fait rien, on va faire répondre la parole de Dieu, puis la parole de Dieu, elle répond tout. Et j'étais quasiment content, il dit, jamais qu'un livre, connaissant les livres, qui va répondre à tout. Mais je posais une question, il dit, posez-moi vos questions, je posais une question, il tournait sa Bible, il trouvait ça, puis il me faisait lire. Fait que je me répondais à mes questions. Disons que j'avais l'air fou un peu. J'étais vraiment sceptique. Et bien, là, j'étais confondu. Ça me touchait beaucoup. J'ai dit, voyons donc.
Qu'est-ce que c'est, ce livre-là? Ça se passe. Fait qu'il dit, à un moment donné, il arrive dedans Jean. Il dit, croyez-vous ça que vous êtes un pécheur? J'ai dit, je ne sais pas juste ce que je crois, je suis sûr que je suis un pécheur. Si vous mourrez à soir, vous allez où? Ben, il dit, je m'en vais en enfer. Dit, ça ne vous dérange pas? Ça me dérange, mais je m'en vais en enfer. Je me connais, je connais ma vie. S'il n'y a pas de péché qui rentre au ciel, moi, je suis un pécheur, je m'en vais en enfer. Puis il dit, vous faites quoi avec ça? Il dit, il n'y a pas de possibilité d'y aller. Il dit, j'ai beau aller à la confesse, faire de quoi? Puis j'y allais plus de toute façon. Mais j'ai dit, je recommence tout le temps. Donc, il n'y a pas grand chance. C'est pour ça que je vis de cette façon-là. Il dit, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur. Il dit, ah, oui, ça n'a pas de problème. Savez-vous que Jésus est venu mourir pour vous? Sur la croix? Ben, j'ai dit, je sais que Jésus est venu. Il dit, qui est pour vous? Il dit, c'est quelqu'un qui est venu mourir sur la croix pour les péchés du monde. Il dit, oui. Il dit, vous, êtes-vous du monde? Comme ça, oui, je suis du monde, mais des fois, je ne suis pas du monde. Il dit, écoutez, vous pouvez lire un verset. Il n'y a plus Jean 3,16, le grand verset. Il dit, Jésus a dit, lisez-moi ça. Il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, vous ne lisez pas comme il faut. Il dit, comment ça, je ne lis pas comme il faut? Il dit, c'est parce que Jésus, est-ce qu'il pouvait, il ne pouvait pas marquer Dieu a tant aimé le monde, il ne pouvait pas nommer tout le monde. Il dit, vous avez comment? Il dit, ma père Rénal. Il dit, bon, ben, lisez comme il faut. OK. Là, ça devenait personnel. Il dit, quand il parle de monde, là, mettez votre nom à la place. Il dit, quand Dieu a tant aimé Rénal, qu'il a donné son Fils unique, afin que Rénal croit en lui, que Rénal ne périsse point, mais que Rénal ait la vie éternelle. Oh! Là, ça devenait personnel. Ça venait me chercher. Et qu'a fait Rénal avec ce message venant d'en haut? Oui, mais Dieu a tant aimé le monde, mais je ne pensais pas, moi, d'être là-dedans. J'assimilais ça. Oui, Jésus est venu mourir pour le monde, mais pour tout le monde, pour n'importe qui, moi en particulier, il me semble que je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas, à part ma vie, de ce que je savais de ma vie, de mériter ce ciel-là qu'il m'offrait. Pourquoi qu'il serait venu mourir pour moi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas de raison pour ça. Je suis un pécheur. Je ne suis pas capable de m'en sortir. Donc, c'est ça. Il dit, Jésus, il est venu vraiment pour vous. OK. Là, j'avais compris. Fait que là, en posant ces questions, il était pas quand il est reparti, il m'a conseillé de lire dans l'Évangile de Jean. J'ai dit, lisez ça, puis il dit, on va se revoir. Fait que, il n'était pas encore rendu dans sa voiture. Ma femme a dit, j'ai dit à ma femme, est-ce que tu lui as téléphoné? Elle a dit non. Tu posais mes questions. Mais non, je ne savais même pas que tu avais des questions par rapport à ça. Tu l'avais dit, mais je n'ai pas vu tes questions, moi, Dieu. Rénal, il va falloir à un moment donné prendre cette pause encore puis réfléchir à tout ce que tu viens de nous dire. Oui. Et puis, il y en a des questions. Les gens aussi en ont. Oui. Et on a hâte d'avoir la suite et la fin de ton témoignage après la pause. Rénal, le grand livre s'ouvre chez toi, la Bible, et tu apprends que c'est un message qui s'adresse à toi personnellement, car Dieu a tant aimé Rénal qu'il a donné son Fils unique afin que Rénal croit en lui, ne périsse point, mais que Rénal ait la vie éternelle. Mais que fait Rénal de ce message? Oui, on m'avait conseillé de lire dans l'Évangile de Jean. J'arrive au verset 5, au chapitre 5, au verset 24, qui dit, « En vérité, vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais lui est passé de la mort à la vie. Dieu le Père a envoyé son Fils sur cette terre, pour un jour mourir sur la croix à ma place, en parlant de monde, là, je fais partie de ce monde-là, pour que je sois sauvé. Plus tard, j'ai commencé à lire, j'ai rendu un verset dans Jean 14, au verset 26, qui dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père verra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Dieu le Père envoie son Fils mourir sur la croix à ma place pour me racheter, moi. Et puis, quand il monte au ciel, il meurt, il est ressuscité, il monte au ciel, il laisse un consolateur, quelqu'un qui nous rappelle qu'est-ce que lui a fait pour chacun de nous, avoir des témoins pour le dire aussi. Alors, j'ai compris que le Saint-Esprit était venu dans ma vie pour... il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Là, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je l'ai reconnu comme mon sauveur personnel. Et enfin, j'ai pu avoir la lumière au bout du tunnel, sachant que maintenant, ma place était préparée au ciel. Mais ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui seul, à cause qu'il est mort. Je sais quoi, pour moi. Ça s'est fait au 14 septembre 1975. Je vous demande même donner l'heure. Il était 10h moins 10 du soir. C'est bien. C'est à ce moment-là là, que tu recevais ton merveilleux sauveur, et cela pour une fois pour toutes, pour l'éternité, mon cher Rénal. À cette suite-là, oui. Ma femme, voyant comment que moi j'avais changé ma vie, elle s'est approchée de Dieu, puis elle s'est sauvée elle aussi quelques jours après. C'est mon changement de faire ça dans sa vie. Quoique c'est toujours personnel, mais Dieu était venu dans ma vie. Les choses n'ont jamais été pareilles. Je ne regrette pas rien de ça. Depuis 46 ans bientôt, et Jésus est toujours mon sauveur. Et je conseille à tout le monde de regarder la parole de Dieu, ce qu'elle dit, afin d'avoir cette joie. Rénal, merci beaucoup. Merci d'avoir donné ton témoignage à l'émission Crois-tu. Un imprimeur qui découvre le livre de la vie et qui tombe en adoration avec son auteur, Dieu, Créateur, Sauveur, Seigneur de ton existence et de ton éternité. On encourage les gens à faire de même. S'ils veulent en avoir davantage ou en savoir, eh bien, allez sur notre site croistu.ca et correspondez avec nous. C'est un service tout à fait gratuit. Alors, merci encore une fois, Rénal, et merci à tous ceux et celles qui étaient à l'écoute de cette autre émission. Crois-tu?